Bonjour, madame Collinet. Bonjour, Charles. Dis donc, tu n'oublieras pas de passer prendre ton linge en rentrant, hein? D'accord. Allez, bonne journée. Bonne journée. Salut Charles. Non, c'est là, c'est là. Salut. Ah Charles. Bon les gars, on attaque le premier avec JP et Giorgio. Et toi Charles, tu commences par le rez-de-chaussée. Oui. C'est bien. Après le boulot, on ira se boire une bière. Charles. Oui. Hé hey, Charles. Tu sais comment ils font les imbéciles pour attacher leurs souliers? Pas mal, hein? Bon, les gars, on y va. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour Charles. Bonjour. Mais dis donc, c'est pas mal du tout ça. Bon, il y a une toute petite faute, mais c'est vraiment pas très grave. Tiens, regarde. Je m'appelle Charles. J'ai 35 ans. Dis donc, tu te rappelles que demain, on a rendez-vous à 9h chez le professeur Namur? Oui. Alors, je passerai chez toi, te prendre vers 8h30? Oui. Allez, à demain. Charles, tu viens? Charles, le professeur Namur et le docteur Brugère ont quelque chose à te dire. Il faut que tu écoutes avec attention. Charles, si nous t'avons demandé de venir aujourd'hui avec ton tuteur, c'est parce que les examens que nous t'avons fait faire depuis maintenant plusieurs semaines ont montré que tu étais la personne la mieux adaptée pour tester une nouvelle expérience médicale. Charles, sois gentil, écoute-moi bien.
Ce nouveau médicament agit sur un réseau de cellules cérébrales qui est parallèle aux neurones. Tu sais ce que sont les neurones? Ah, excuse-moi, Jean-Pierre, je crois qu'il faut qu'on soit plus simple. Charles, ce médicament permet de rendre les gens très intelligents. Ah oui, ça, c'est bien d'être intelligent. Ma maman, elle me disait toujours d'apprendre les choses. Mais moi, les choses, je les apprends et puis après, je les oublie beaucoup. Regarde, Charles, je te présente Algernon. Bonjour, la souris. Tu sais sans doute qu'avant de faire des nouvelles expériences sur des humains, on les fait sur des animaux. Eh bien, Algernon est la première petite souris sur laquelle on a testé ce médicament qui rend intelligent. Depuis qu'elle prend ce médicament, Algernon est devenue très intelligente. Elle sait faire des choses que d'habitude une souris ne sait pas faire. Alors qu'elle ne l'a fait qu'une fois, elle se souvient du chemin qu'il faut prendre pour aller jusqu'au morceau de fromage qui est à l'autre bout du labyrinthe. Regarde. Bravo, la souris. Les souris, ça aime beaucoup le fromage. Et toi, Charles, est-ce que tu veux essayer ce nouveau médicament qui rend très intelligent? Oui. Ça, c'est bien d'être intelligent. Très bien. C'est formidable. Charles, tu dois savoir que même s'il a très bien marché sur la souris, ce médicament peut ne pas marcher sur toi, ou marcher moins bien, ou pas du tout. Et aussi, que ça peut être très dangereux. Moi, j'ai peur de rien, j'ai ma patte de lapin. Une fois, j'ai cassé une assiette de Madame Collinet, mais les assiettes, c'est pas comme les miroirs, ça porte pas malheur, les assiettes. Monsieur Pernaud, vous êtes son tuteur, c'est à vous de prendre la décision. Vous pensez commencer quand? Dès que possible. Charles Gessler? Oui. Vous voulez bien monter? C'est pour moi. C'est parce que je vais devenir intelligent. Peur? Faut pas avoir peur. C'est comme une piqûre, mais qui dure un peu plus longtemps. Je pique. C'est fini? Presque. Il faut que le produit rentre bien dans la veine maintenant. C'est le produit qui rend intelligent? Voilà. Et puis il faudra que tu viennes en reprendre tous les lundis matin. Quand je serai intelligent, je pourrai aller à l'école sans mon dessin. Bien sûr. Oh, c'est bien. Et repose-toi maintenant. Depuis le temps que j'attends ce moment, c'est con, mais je suis ému, moi, pas toi. Tiens, ça vient du comité scientifique. Ils confirment leur accord, réitèrent leur mise en garde. Ouais, c'est comme d'habitude. Et puis quand ça sera réussi, durant que c'est eux qui nous ont poussé à le faire, on dîne ensemble ce soir? Non, ce soir, je peux pas, j'ai promis mon fils de l'emmener au restaurant. Pourquoi il en est parti? Ouais. Une autre fois, si tu veux. Plus tard. Ça va? Comment te sens-tu?
bien. Très bien. Ça fait pas mal du tout. Voilà. Là, c'est fini. Ça passe mal. Bonjour, la souris. Bonjour, Charles. Bonjour. Bonjour, Charles. Bonjour. Que ça va pas? Quelque chose te contrarie? Je deviens pas intelligent. Ça fait seulement 3 semaines que tu suis le traitement. Ça fait pas beaucoup, tu sais. Et puis on devient pas intelligent comme ça du jour au lendemain. Hein? Ça va venir tout doucement, sans même que tu t'en rendes compte. Charles, tu vois la petite aiguille, celle qui indique les heures? Eh bien, quand on la regarde, on la voit pas bouger. Et pourtant, elle avance, lentement. Eh bien, c'est la même chose pour ton intelligence. Elle évolue si lentement qu'on s'en aperçoit pas encore. Salut les gars. Salut Charles. Ma mère, c'est une patte pas droite, à gauche, non. Je ne dis pas bien. C'est la démarche. Attends, avec la démarche, encore. Non, ma mèche, elle est pas bien. Vous trouvez bien de se moquer des gens? Vous trouvez bien de se moquer de moi? Non. Ce que je trouve intéressant, c'est que tu t'en sois rendu compte. Charles, tu as compris quelque chose que tu comprenais pas avant. Est-ce que tu réalises ce que ça veut dire? Que je deviens intelligent? Peut-être.
Je deviens intelligent. Mais oui, c'est ça. J'en parlerai à mon cheval. Allez, les On va aller se boire une bière. T'as fini? Laisse tomber, il a même pas nettoyé le tableau. Donc, ils ont tiré le bateau sur la plage et ensuite, là, ils ont commencé à voir qu'il y a la folie. L'Inde est soumise à des aléas climatiques qui empêchent les cultures de se développer correctement. Exemple? La mousson. Voilà, très bien. C'est quoi la mousson? C'est du pâté. La mousson de canard, tu connais pas? Mais non, mais c'est des vents qui s'inversent brutalement d'une saison à une autre. Et pourquoi ça empêche les cultures de pousser? Parce que ça provoque des sécheresses et des inondations. Merci. C'est incroyable. En deux mois, il est passé d'un QI de 60 à un QI de 102. Je ne voudrais pas me réjouir trop tôt, mais le traitement marche vraiment bien. En tout cas, Sonia et moi, on est contents. Même très, très contents. Et toi, Charles, tu es content aussi? Oui. Est-ce que toi, tu sens que tu es en train de changer? Je crois, oui. Que sur un plan clinique, le traitement est parfaitement supporté. Peut-être une légère augmentation de la tension artérielle, enfin rien de bien inquiétant. Tu bois encore de l'alcool, Charles? Une petite bière, oui, parfois. Oui, ben, il faudra mieux arrêter. Hein, et puis nous signaler ce qui se passe pas bien dans ton corps. Des maux de tête, des douleurs, des petits picotements comme ça dans les membres. Hein? D'accord. Charles, quand tu dis que tu sens que tu es en train de changer, qu'est-ce que tu ressens exactement? J'ai des envies que j'avais pas avant. Comme lire. Apprendre tout ce qui existe. Parler des choses. Comprendre tout ce qui se passe. J'ai plus de facilité à marcher, à parler. Ah oui, quand je me réveille le matin, j'ai une sensation de grande clarté, comme s'il faisait très beau, de plus en plus beau, et que je voyais de mieux en mieux. Et c'est exactement ce qui se passe.
C'est un effet secondaire qu'on n'avait pas pu mesurer avec Algernon, mais sa vue s'est améliorée d'une façon spectaculaire. D'ailleurs, regarde, je t'ai fait faire une seconde paire de lunettes. Tu les essaies? C'est bien. Bonjour Charles. Bonjour madame Colline. Petit salé aux lentilles. Qu'est-ce que tu lis de beau? Tu as dû voir de belles photos. Oui. Vous saviez que le climat a des répercussions énormes sur la démographie et les populations? Et ça depuis des siècles? Ah bon? Oui. Bon ben, je te laisse, hein. D'accord. JP, tu fais le sol de toutes les salles du premier. Et toi, tu passes après lui pour faire les tableaux et les bureaux. Ok, chef. Toi, Charles. Et si on faisait le contraire? Qu'est-ce que tu dis, là? Je dis qu'il vaudrait mieux commencer par les bureaux et les tableaux et faire le sol après, parce que sinon, la poussière des meubles tombe sur le sol et tout est à recommencer. On a toujours fait comme ça. Tu me donnes des conseils d'organisation, maintenant. Toi? Ça me paraît plus logique. Ouais, bien, t'es gentil, mais tu fais ton boulot. Et pour le reste, tu me laisses décider. Le chef, c'est moi, ok? C'est quand même pas un demeuré qui va faire la loi. Allez, on y va. Tiens. Ah, t'as fait le dernier exercice? Oui. Et toi, t'as fait les coins? Non, j'ai pas pensé. Pas de coins, pas de devoirs. C'est un gars qui a gagné au loto, qui rentre à la maison, qui dit à sa femme, « Chérie, prépare tes affaires, j'ai gagné au loto. » Sa gonzesse qui dit, « Je prépare les affaires d'hiver ou les affaires d'été ?» Les deux, tu te casses. Tu dis plus au revoir maintenant? On n'est pas assez bien pour toi? Je vais te dire un truc, monsieur Chétou. Je suis peut-être pas une lumière, mais je vaux autant que toi. Et peut-être même plus que toi. Parce que moi, au moins, je sais pas de me faire passer pour quelqu'un d'autre. Pour moi, tu seras jamais qu'un débile. Alors dis-moi, comme ça, tu aimes les maths, il paraît? Ouais, oui, c'est amusant de trouver les solutions des problèmes. Mmh. On m'a même dit que tu faisais les devoirs de certains élèves. Tes parents se sont plaints, Charles. Et Yvan aussi, il dit que tu fais plus ton travail. Oui, mais je m'arrange pour qu'il soit fait. Oui, par les élèves. Mais j'essaie d'être utile. Oh, je sais, je sais. Mais enfin, tu peux plus rester homme de ménage. Nemur et Bougère vont te proposer un travail qui te permettra d'utiliser au mieux tes nouvelles capacités intellectuelles. Une nouvelle vie s'ouvre à toi, Charles. Hein, c'est pour ça que tu suis ce traitement. Alors, mon petit vieux, profites-en. Hein.
Et donc vous allez me payer pour étudier ? Exactement. On a parlé de nos résultats au comité scientifique, ils sont très impressionnés, tu sais. Alors du coup, ils m'ont débloqué des fonds supplémentaires pour un appartement, des professeurs, tout un matériel pédagogique qu'ils vont mettre à ta disposition. Et il faudra que je travaille combien d'heures par jour ? C'est autant que tu pourras. Que la résistance et la capacité à apprendre longtemps font partie également de l'expérience. Et nous sommes confiants, tu sais, Charles. Nous sommes vraiment très, très confiants. Tu veux peut-être prendre le temps de réfléchir ? Si tu réfléchis. Finalement, t'emportes celle-là ? Non, c'est pour vous. Merci. C'est un petit souvenir de Charles. Bon, ben, au revoir. Ça veut dire bonjour. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Très bien. On se souvient de la caverne où il se trouvait des gens enchaînés par le cou, par les bras, par les jambes. Ils ne regardaient que le mur. Ils ne voyaient qu'une chose, c'était l'ombre des choses. L'ombre des choses n'a aucune réalité. Au niveau de l'affirmation de l'objet, tel que je le perçois, ce n'est ni le vrai ni le faux. Zhongguo. Très bien. Dans un premier temps, un proton attaque une molécule d'alcool, vient se brancher sur l'oxygène, et vous avez le composé intermédiaire que voici. L'oxygène est très électronégatif, récupère ses électrons. Donc vous avez formation d'une molécule d'eau et de ce qu'on appelle un carbocation R+. Ce carbocation, à son tour... R O R plus H plus, le proton est régénéré. Absolument. Bonjour, mon petit Charlot, t'as bien dormi? Bonjour, mon bébé. T'es magnifique. Il m'arrive quelque chose de nouveau. Je rêve. Avant l'expérience, vous ne rêviez pas? Je ne crois pas. La nuit dernière, j'ai redécouvert le visage de mes parents. Je n'avais aucun souvenir. C'est étrange, vous n'avez pas été placé si jeune. À 13 ans. Enfin, c'est ce que mon tuteur m'a dit. La mémoire est sélective. Elle s'arrange parfois pour oublier certaines choses. Ouais, et celles qui sont inutiles ou bien qui font trop mal. J'ai lu un livre là-dessus. Ce rêve indique en tout cas que le traitement agit tant sur la mémoire immédiate que sur la mémoire profonde. Mais je suppose que ça aussi, vous le savez. Bonjour Charles. J'ai le résultat de vos derniers tests. Dites un chiffre. Je ne sais pas. 160.
C'est extraordinaire, non? Ah, écoutez, j'ai l'impression d'avoir un moteur puissant dans la tête, mais je vous avoue que je n'ai pas pensé à regarder le compteur. Et sinon, tout va bien? Oui. Tenez. J'en ai plus besoin. Ah, il y a autre chose. C'est la première fois que vous me voyez. Je vais te montrer. Faut aller plus doucement. Vas-y, essaye. Va doucement, t'as le temps. Apprendre la musique ? À demain, Solange. Oui, en 3 mois, j'ai appris les bases du latin, le chinois, l'anglais. J'ai le niveau d'un docteur en biologie et en mathématiques. J'aimerais savoir combien de temps il me faudra pour apprendre le solfège et jouer d'un instrument. Et de quel instrument vous voudriez apprendre à jouer? Du piano. Bah, pourquoi pas du violon, c'est plus... Non, je préfère le piano. Je vois que tout est déjà décidé. Oui. Et j'ai déjà trouvé la professeure. Gessler. Gessler, pardon. Bonjour. Je suis désolée, je suis en retard. C'est pas dans mes habitudes. Venez, suivez-moi. Vous avez déjà fait du piano? Non. Du solfège? Non. Ah bah, c'est pas grave. Ben venez. Vous posez votre manteau. Ben venez, asseyez-vous. Vous connaissez les notes? Non. Bon, il y a du boulot. Il y en a 7. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. D'accord? D'accord. Alors, on va travailler la position des mains sur le clavier. Il faut poser votre main. Voilà. Arrondir les doigts comme si vous teniez une pomme. Moins crispé. Pardon. Non. Essayez encore. Voilà. Appuyez sur les touches tout en gardant cette position. Allez-y. C'est bien. Encore. Voilà, encore.
avez jamais joué? Non. Je vous crois pas. Non mais je plaisante, hein, je vous crois, mais... C'est juste que... Vous êtes doué. Bonjour. Bonjour Charles, comment allez-vous? Bien. Je vais y aller à pied. Bravo. Jouer Mozart comme ça en un mois, c'est... Non, je suis dégoûtée, hein, franchement. Et vous, bravo pour votre nouvelle coiffure. Ah oui, merci. Ça vous va très bien. Merci beaucoup. Vous faites quelque chose? Enfin, je veux dire, là, maintenant. Je vais rentrer. Parce qu'en fait, je dois aller chercher des partitions que j'ai commandées et je me disais que peut-être vous pourriez me... Vous accompagner? Oui. D'accord. Je vous ai jamais demandé ce que vous faisiez comme métier. Je travaille pour un institut de recherche. Je participe à une expérience médicale. Vous êtes chercheur? Pas exactement, non. Je participe à une étude sur l'intelligence. Je suis payé pour étudier. Ah, vous êtes une sorte de surdoué, c'est ça? Voilà, ouais. Et le piano, ça fait partie de l'expérience? Ah non, le piano, c'est surtout pour le plaisir. Vous avez commencé à quel âge? À 5 ans. Je parlais pas. Je disais pas un mot, ni papa, ni maman, ni oui, ni non, rien. J'étais pas, comment dire, retardée, mais je pensais les choses et j'arrivais pas à les dire. Alors un jour, mes parents m'ont mise devant un piano et ça a été le déclic. Et vous êtes devenue un moulin à paroles? Ouais. Je crois même qu'ils ont fini par regretter. Non, c'est pas vrai, je rigole. À demain. Au revoir. Bonjour. Oui, en effet, vous avez une tension un peu trop forte. T'es arrivé dans quelles circonstances? Je marchais dans la rue, je venais de raccompagner ma professeure de piano. Professeur Alice, c'est ça? Oui.
Et vous avez d'autres symptômes? Oui, j'ai des sortes de papillons dans la tête. J'ai un nœud dans le ventre. J'ai plus faim. J'arrive pas à dormir. En fait, ça fait plusieurs jours que je me sens pas très bien. Est-ce que vos symptômes s'aggravent lors de vos cours de piano? Ouais, maintenant que vous le dites, je crois, oui. Vous pensez que c'est la musique qui pourrait... Est-ce que c'est la première fois que vous êtes amoureux, Charles? Amoureux. Magnifique, hein? Non? Il y en a de plus en plus dans le quartier. Je me demande si je vais pas déménager, moi. Ah, moi j'aime bien ici. C'est vivant. Bon ben, bonsoir Charles. À demain. À demain. Tu rentres tout seul? Oui. Tu voudrais pas que je tienne compagnie par hasard? Non, ça ira, merci. T'es mignon. Merci, madame. Pourquoi dites-vous qu'Alice était déçue? Bon, parce que j'ai bien vu que... elle attendait autre chose de moi. Elle attendait que... Que quoi, Charles? Vous savez bien. Oui, je crois que je sais, mais... Eh ben, elle attendait que je lui dise que j'ai des sentiments. Ou simplement que vous lui montriez. Dans une relation amoureuse, tout ne passe pas nécessairement par des mots. Notre corps aussi peut exprimer des choses. Oui, c'est vrai. Ouais, à un moment, j'ai même pensé à l'embrasser sur la bouche. Mais j'ai pas pu. Mais il faudra bien vous lancer. Bonsoir. Je vous dérange? Non, entrez. Pardon. Pardon, pardon, je suis désolé. Tu te déshabilles pas? Si. Ah, attends,
excuse-moi. Non. T'as pas envie? Si, si. J'ai très envie. C'est juste que... En même temps, on n'est pas pressé. Non. Tu veux boire un verre? Ouais. Cours, Jack. Cours, Jack. Cours, Jack. Cours, Jack. Tiens. Je suis désolée, je vais trop vite. En même temps, je sais pas trop comment faire avec toi. Mais c'est moi qui suis maladroit. Oui, j'ai jamais été très doux en amour. Et toi? Moi, c'est un peu compliqué à expliquer. Bah, explique pas, alors. Tu veux pas qu'on aille manger quelque chose? Ouais. Qu'est-ce qui t'amène? Je voudrais que vous me parliez de mes parents. Qu'est-ce que tu veux savoir? Tout. Tes parents, tu sais, il n'y a pas beaucoup de nouvelles. Et à l'époque, quand ils m'ont placé, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ton père était coiffeur. Et ta mère travaillait à la mairie. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ton père est mort il y a une quinzaine d'années, d'une crise cardiaque. On t'est sorti du centre, hein. Ils ne pouvaient pas te garder. Tu n'étais plus mineur. C'est là que je me suis proposé pour être ton tuteur. Moi, je savais que tu saurais te débrouiller tout seul. Tu pourrais vivre en appartement, avoir un travail. Et je ne m'étais pas trompé. Et ma mère? Oh, ta mère a toujours été d'une santé fragile. La mort de ton père n'a rien arrangé. Elle a vendu le salon et très vite, elle a commencé à décliner. Et depuis 2 ans, elle est dans une maison spécialisée. Elle perd un peu la tête. Alzheimer? Ouais. Et elle est où, cette maison spécialisée? Tu veux aller la voir? Pas. Vous avez vu ma nouvelle veste? Un peu voyante, non? Non, moi j'aime bien. Elle est là. Aujourd'hui, elle va bien. Elle m'a appelée par mon prénom. Bon, bah, je vous laisse. Merci. Bon, ben, je vais faire un tour, hein. Ouais. Cours, Jack. Cours, Jack. Cours, Jack. Jack. Cours, Jack. Cours. Mais tu lui as pas donné les fleurs? Je lui ai pas parlé. Et Alice, ça va? Ça va.
Tu lui as dit pour toi, hein? De quoi? Toi, qui tu es, qui tu étais. J'ai lu dans mon dossier que j'avais eu la scarlatine à 8 ans. Vous croyez que ça aussi, je devrais lui dire? Tu sais bien que c'est pas la même chose. Vous croyez qu'elle aimerait en attarder? Écoute, pourquoi tu n'amènes pas dîner un soir? J'aimerais bien la connaître. D'accord. Alors ça y est, il paraît que vous avez une intelligence exceptionnelle. Vous savez, le terme exceptionnel ne sert qu'à éviter les étiquettes de brillant ou d'attardé. Exceptionnel s'oppose à ordinaire, et comme il s'entend aussi bien pour un extrême que pour un autre, il n'a pas de véritable signification. J'ai été un demeuré, je suis devenu un surdoué, je serai donc toute ma vie quelqu'un d'exceptionnel. Vous, en revanche, vous êtes né, vous êtes et vous mourrez ordinaire. Vous comprenez? Bon, je vous laisse. D'accord. Vous avez mis les champignons? Oui, 250 grammes. D'accord. Oui, sur un petit crottin, madame. Oui. On va prendre les tomates. Merci. Je vous dois combien? Ben voilà. Tenez. Je vous remercie bien. Merci. Au revoir. J'ai plus une salade. Il faut pas que ça brûle, parce que les endives, c'est bon braiser, pas brûler. Tu veux pas qu'on parle? De quoi? De toi. Au fond, je sais rien de toi. Qu'est-ce que tu veux savoir? Tout. Par exemple, est-ce que t'es vraiment disponible? Tu te demandes si j'ai une autre femme, c'est ça? Non, c'est à toi que je le demande. Non. Pas d'autre femme. Un homme? Non, j'ai personne d'autre dans ma vie et je suis pas homosexuel. Alors pourquoi t'as peur de moi? J'ai besoin de temps. Allez, va te coucher. Je t'ai dit d'aller te coucher. J'en peux plus. Je peux plus supporter. Je peux plus supporter. Je peux plus supporter. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Si, ça va. Enfin, techniquement, ça va. C'est juste que tu vas trop vite.
J'ai pas fait d'erreur. Non, mais je te parle pas de ça, Charles. Lire et jouer les notes, c'est une chose. Une chose que tu maîtrises très bien, d'ailleurs. Je te dis pas le contraire. Mais qu'est-ce que tu me dis, alors? Je te dis qu'au stade où t'en es, il faut, comment dire, plus d'émotion. Il faut du ressenti. Tu comprends? Eh ben, montre-moi, toi. Montre-moi. Bon, enfin, Charles, je peux pas te montrer comment tu dois jouer. C'est quelque chose de personnel. Ça doit venir de toi. Qu'est-ce que tu fais? Mais tu vois, je prends mon manteau et je m'en vais. Mais pourquoi? J'arrête le piano. Enfin, Charles, tu peux pas réagir comme ça. On dirait un enfant susceptible et capricieux. Je pourrais pas mieux jouer que ça, alors autant passer à autre chose. C'est toi qui décides, mais ta réaction, c'est dommage. T'es très doué, Charles. Tu viens de m'expliquer le contraire. J'ai invité mes parents à dîner mardi. Tu viendras? D'accord. Ça va? Oui, et toi? Ça va. J'arrête le piano. Comme ça? Ouais. Tu as commencé sur un coup de cœur, tu arrêtes sur un coup de tête. C'est pas un peu dommage, non? Je suis pas fait pour la musique. Les mathématiques, la physique, les langues, tout ça, c'est de la réflexion, c'est de la logique. C'est facile. La musique, c'est autre chose. Ah oui, c'est quoi? C'est de l'émotion. Moi, je déchiffre les notes. Je les interprète pas. Je suis trop cérébral. Ça me semble normal. Le traitement est censé agir sur ton intelligence, hein, pas sur ta sensibilité. Ouais. Quand j'étais plus jeune, j'étais trop sensible et pas assez intelligent. Aujourd'hui, c'est le contraire. M'exposer devant tout le monde comme un animal de cirque? Mais non, mon Charles, il ne s'agit pas d'un spectacle. On est des chercheurs, on partage notre expérience avec la communauté scientifique, c'est normal. Après la femme à barbe et l'homme le plus petit du monde venait voir le demeuré devenu intelligent, c'est ça? Mais non. On va tout décider ensemble, avec vous. La mémoire est sélective. Ça arrange pour oublier ce qui fait trop mal. Bien voilà, il m'arrive parfois d'oublier qui j'étais. Je comprends. Mais pensez à tous ceux qui pourront un jour bénéficier de ce traitement, grâce à vous. J'essaie simplement de vivre comme un homme normal. Comment ça va avec Alice? Vous voulez savoir si on a baisé? Ben c'est non. Et puis arrêtez de me questionner comme ça! Je suis assez grand pour gérer ma vie amoureuse tout seul! Pour gérer ma vie!
Alors? Alors, il est furieux. Je me demande si ce congrès vient pas trop tôt. Trop tôt? Ça fait 10 ans qu'on est sur le projet, je crois qu'il est grand temps qu'on en parle, au contraire. C'est moi qui l'ai faite, c'est moi qui la sers. Cette part vous convient? Charles. Donne-lui un plus gros morceau, là. T'as pas mis de cannelle? Toujours des reproches. Je l'ai cherchée. Elle en mettait partout. On l'appelait Miss Cannelle. Tu fais toujours ta rééducation? Si elle m'avait écouté, elle serait pas... Si tu l'avais pas tant emmerdée, elle serait encore avec nous. Le petit rayon de soleil. Je suis toujours ton petit rayon de soleil. Vous n'aimez peut-être pas la tarte aux pommes? Il n'aime peut-être pas la tarte aux pommes? Charles? Oui. T'aimes pas? C'est trop sucré. Est-ce que on pourrait baisser la musique, s'il vous plaît? Alice nous a dit que vous travaillez dans la recherche. Oui. Dans quel domaine exactement? C'est un peu compliqué. À expliquer? Non, à comprendre. Bon. Il est tard, hein? On va rentrer. Qu'il y a? Rien. J'ai passé une excellente soirée. J'étais heureuse de te présenter mes parents. Ben voilà, c'est fait. T'as été odieux. T'as parlé à mon père comme un débile mental. Ben, excuse-moi, j'ai pas remarqué qu'il était d'une intelligence exceptionnelle. En ce moment, j'ai l'impression d'être... Je comprends pas ce que tu veux, Charles. Qu'est-ce que tu veux de moi? Eh ben, me marier, fonder un foyer, avoir des enfants, comme tout le monde. Mais t'es pas comme tout le monde. Pourquoi tu dis ça? C'est parce qu'on n'a pas encore couché ensemble. Tu sais, il n'y a pas que le sexe, hein, dans un couple. Non, je sais, le plus important, c'est la confiance. Tu me fais pas confiance, c'est ça? C'est toi, Charles, qui me fais pas confiance. Vite, l'as écrasé! Ça va bien, oui? En augmentant la capacité des neurones à traiter les informations, la molécule agit aussi sur les sensations. Alors forcément, la perception du son et de la lumière est plus accentuée. Mais mon goût aussi a changé. Je supporte plus les choses trop sucrées ou trop salées. C'est comme le toucher. Un simple effleurement sur la peau, ça me paraît insupportable. Oui, ce sont tous vos sens qui sont exacerbés. Bon, on va lui donner une paire de lunettes filtrantes et puis aussi une petite prothèse auditive pour atténuer le son. Et pour la peau? Pour la peau, vous allez prendre des antalgiques, ça vous endormira les terminaisons nerveuses. Peut-être aussi une petite... Merci. Une petite cure d'antidépresseur. Des médicaments, toujours des médicaments. Provisoire, Charles. Il faut que le corps s'habitue à recevoir des nouveaux messages de votre cerveau, qui s'adaptent, qui prennent des nouveaux réflexes. Et si j'arrêtais le traitement? Ah non, c'est impossible. Et pourquoi pas?
Peut-être que les effets sont durables. Peut-être que mon problème est définitivement réglé. Bon, et s'il l'est pas, vous imaginez retourner à la case départ en quelques jours? Eh bien, testons-le sur Algernon. Mais c'est prévu, Charles, sauf que c'est pas le moment. On peut pas changer un protocole comme ça, il y a des étapes à respecter. En fait, vous êtes en train de m'expliquer que j'ai pas le choix. Charles, je vous demande de la patience et de me faire confiance. La confiance, c'est le grand mot à la mode. Il n'y a aucune raison de paniquer. La molécule a des effets secondaires comme la plupart des médicaments. On s'y attendait. Bon, on va trouver la solution. On a commencé trop tôt l'expérience. On nous avait mis en garde, mais on a préféré foncer. Et qu'est-ce que tu proposes de tout arrêter? Ce qui est incroyable avec toi, c'est que tu refuses d'admettre tes échecs. Et qui parle d'échecs? L'expérience est réussie. On voulait qu'il devienne intelligent. Il l'est, non? Mais à quel prix? Écoute, quand je fais quelque chose, je le fais toujours à fond. Je croyais que tu buvais pas. Eh ben maintenant, je bois. Si tu m'avais connu avant, il y a encore 6 mois. Pourquoi tu ris? Charles, qu'est-ce qui t'arrive? Tu deviens fou. Mais arrête de boire. Ça va, je fais ce que je veux. Je suis un grand garçon. Je sais ce qui est bon pour moi. Je suis très très intelligent. Très intelligent. Tiens. Est-ce que tu connais ton quotient intellectuel? Non. Tu dois être à 100. 102. 103. Allez, je suis sympa. 103. Eh bien, moi, je suis à 190. Si t'embauches un coin, 190. Je vais rentrer. Ah bah c'est ça, vas-y, casse-toi, casse-toi. De toute façon, tu me fais chier, t'es trop conne, vas-y. Casse-toi. Ça va, monsieur? Oh. Salut, les gars. Les toilettes, s'il vous plaît. C'est... au sous-sol. Attention. Essayez quoi? Allez, essaye encore. Cours. Regarde, Jack. Regarde. Sois tranquille, tu le terrorises. Mais fais pas attention. Il est plus lent que les autres. Laisse-lui le temps. Maman, il est paresseux. Je l'enfonce dans le crâne jusqu'à ce qu'il sache. Cours, Jack. Cours. Merci. Tu dormais? Non. Qu'est-ce que t'as à la main? C'est rien. Je peux rentrer? Non. J'étais sous tout à l'heure, excuse-moi.
Tu sais bien qu'il n'y a pas que ça, Charles. Tu me caches des choses. J'ai des ennuis. C'est ça les traces de piqûres que t'as sur les bras? Quoi? Les traces, là. C'est ça tes ennuis? Tu crois que je me drogue? Ben, je sais pas. Je sais rien, tu me parles pas de toi. Mais toi non plus, tu me dis rien, tu me parles jamais de toi. Parce que tu me demandes rien, tu t'intéresses qu'à toi, Charles. Eh ben laisse-moi entrer, on va parler de toi, laisse-moi entrer. J'ai pas envie. C'est fini, j'ai plus envie. Je suis fatiguée, va-t'en. Ça veut dire que tu veux plus qu'on se voit, c'est ça? Hein, ça veut dire que tu veux plus qu'on se voit, c'est ça? Vous vous trompez, là. Vous vous trompez dans les doses. On m'a jamais injecté autant de produits. J'applique les consignes. Si vous avez des questions, il faut vous adresser au professeur Nemur. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites là? S'appelez le professeur de Murvik. Écoutez, écoutez, vous n'avez vraiment rien à faire ici. Qu'est-ce que vous cherchez? Non. Non, bah, écoutez, posez ça s'il vous plaît, c'est confidentiel. Dégage! Caché quoi? Argenon régresse, ça fait 15 jours que vous le savez, vous m'avez rien dit. Mais je n'avais pas à le faire, Charles. Vous faites partie de l'expérience, vous ne la dirigez pas. Ah, oh. Oh, c'est pour ça que vous avez augmenté mes doses. Parce que moi aussi je vais régresser, vous savez. Charles, vous voulez bien m'écouter? Voilà. Il y a 3 semaines, on a constaté une très légère baisse des performances d'Algernon. Bon, j'ai probablement une petite accoutumance à la molécule. Bon, voilà, c'est très bien. Pas très grave. Nous avons décidé d'augmenter sensiblement les doses et le résultat a été immédiat. Algernon est à son meilleur niveau. Qu'est-ce que vous faites des effets secondaires? Ils sont déjà pénibles avec les doses normales. Si vous augmentez le traitement, ils vont devenir insupportables. Regardez dans quel état elle est. Je vais arrêter tout. Je vais arrêter tout ça. Non, Charles, vous ne pouvez pas. Pensez à toutes ces facultés que vous avez acquises. Pensez surtout à ce que vous étiez avant. Ce que vous étiez? Mais qu'est-ce que vous croyez? Qu'avant de vous connaître, j'étais pas un homme? Bon, un homme, oui, enfin... Un homme très très diminué, quand même. Vous le savez comme moi. Maintenant, je suis quoi? Hein, je suis quoi? Bon, écoutez-moi. Un cobaye? Un animal de laboratoire? Écoutez, moi je ne sais plus quoi vous dire. Hein? Je vous ai proposé un traitement pour vous rendre intelligent. Vous l'êtes, non? Vous aussi, vous m'avez menti. Pourquoi vous dites ça? Vous m'avez fait croire que vous vous préoccupiez de moi. Mais en fait, il n'y a que le cas médical qui vous intéresse. Genre, maintenant je vous demande de vous calmer. Lissez cette souris! Charles! Charles! Faites pas ça! Ah! Charles, c'est le professeur Nemur. Écoutez, je suis vraiment désolé de ce qui s'est passé tout à l'heure, mais Algernon a vraiment besoin de son injection. L'expérience qui serait compromise. Alors, je sais pas, essayons de parler. Hein? Je voudrais tellement vous aider, Charles.
C'est pas au cas médical que je parle. C'est à l'homme que j'ai vu presque tous les jours pendant 6 mois. L'homme qui m'a confié ses rêves, ses craintes, ses souffrances. Laissez-moi vous aider, Charles. Allez, tu l'as déjà fait. Allez. Allez. Commence à déjeuner, j'arrive. C'est fini, Algernon ne sait plus rien. C'est fini. Qu'est-ce que je dois faire? Hein? Qu'est-ce que je dois faire? On va trouver. On va pas vous abandonner. Qu'est-ce que vous allez faire? Il faut pas vous inquiéter. En fait, vous n'avez aucune solution. La vérité, c'est que j'en sais autant que vous. Maman? Maman? C'est moi. Oui, maman. C'est moi. J'ai changé, maman, je suis plus un idiot. Je suis devenu intelligent comme tu voulais que je sois. Je suis comme tout le monde.
suis normale. Tu sais, j'ai lu des dizaines de livres. J'ai appris 5 langues. Tu te souviens de l'histoire qu'on lisait tous les deux? Cours, Jacques. Lâchez-moi, je vous dis. Lâchez-moi. Ah, regarde, je suis comme tu voulais. Je suis comme tu voulais. Regarde. Charles, soyez gentil, le congrès a lieu dans 2 jours. Pensez un petit peu à tous ces gens qu'on pourrait sauver si on met de l'expérience jusqu'au bout. Charles. Charles. Bonjour, Charles. Entrez. Le congrès est à quelle heure? À 10h. Ah, tenez, je vous ai apporté le dossier de présentation. Vous voyez, on n'a pas précisé le nom de famille, comme ça, Charles, ça peut être n'importe qui. C'est n'importe qui. Moi, je serai là. Merci. Les travaux que nous avons entrepris depuis 10 ans, le docteur Sonia Brugère et moi-même, nous ont amenés à découvrir que les neurones n'étaient plus les seuls maîtres à bord de l'esprit humain. En effet, d'autres cellules cérébrales jouent un rôle tout aussi important. Le nom de ces surdoués, les astrocytes. Alors, la stimulation chimique des astrocytes peut-elle favoriser la création de nouveaux neurones? La réponse est oui. Nous avons tenté l'expérience sur une souris avec succès. Nous avons appelé Algernon, puis sur un être humain, qui se prénomme Charles. Cet homme est parmi nous. Je voudrais vous dire qu'en 6 mois, il a appris 5 langues. Il a le niveau d'un doctorat en mathématiques, en biologie. Il a lu les principaux auteurs français, étrangers, et j'ajouterais qu'il joue parfaitement bien du piano. Son quotient intellectuel étant passé de 60 à 190. Maintenant, avant de vous présenter le Charles d'aujourd'hui, laissez-moi vous présenter le Charles d'hier. Ah, c'est bien d'être intelligent. Ma maman, elle me disait toujours d'apprendre les choses, mais moi, les choses, je les apprends et puis après, je les oublie beaucoup. Regarde, Charles, je te présente Algernon. Bonjour, la souris. Eh bien, Algernon est la première petite souris à avoir testé le médicament qui rend intelligent. Bravo, la souris. Les souris, ça aime beaucoup le fromage. Charles, tu dois savoir que ça peut être très dangereux. Mais moi, j'ai peur de rien. J'ai ma patte de lapin. Une fois, j'ai cassé une assiette de Madame Collinet, mais les assiettes, c'est pas comme les miroirs. Ça porte pas malheur. Je vous demande de bien vouloir accueillir celui qui nous a fait l'honneur d'être le premier homme à tenter l'expérience Algernon, Charles.
Charles ! Charles ! Tu vas où ? J'arrête le traitement. Mais pourquoi ? T'es fou ! Mais au contraire, je choisis. Pour la première fois de ma vie, je choisis. Mais tu choisis quoi ? De tout perdre ? Pourquoi ? Mais parce que le vrai Charles, c'est celui que t'as vu sur l'écran. Non, t'es plus cet homme-là, t'as changé. Je vais m'occuper de toi, tu vas voir, je vais t'aider. Pourquoi tu ferais ça? Parce que je t'aime. Mais moi, je peux pas t'aimer. Je pourrai jamais. Alors c'est vraiment fini? Ouais. Quand je te disais que j'étais pas très douée en amour. T'es la première femme qui m'ait aimée. La seule. Merci. J'ai peur. Bonjour Charles. Bonjour. Je peux t'aider? J'ai ça. Tu voudrais un petit bouquet avec ça? Oui. Celui-là, ça te va? Oui. C'est pour offrir? Tu veux mettre un petit mot? Oui. C'est moi, Alice. Charles, t'as pas besoin de m'ouvrir. Je suis venue pour te dire que je pense beaucoup à toi. Et que je vais partir à Paris.
J'ai été prise au conservatoire. Alors voilà. Je voulais te dire au revoir. Je t'aime. Alice. Alice. Alice.